Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone du jeu de société. Alors aujourd'hui, on vous présente le déballage d'un jeu qu'on doit avouer, dans notre collection de la zone depuis un certain temps, c'est-à-dire Pipeline, donc de Capstone, Capstone Games. pardon. Alors ici, on reconnaît euh, le, le, le style artistique de Yann O'Toole qu'on connaît très bien comme... Euh, comme finalement comme artiste un jeu de Ryan Courtney donc essentiellement dans Pipeline euh, pour vous donner une idée qu'est-ce que c'est comme jeu, c'est que vous allez devoir construire en tant que compagnie, bien sûr, dans l'exploitation du pétrole, euh, une un réseau de pipelines finalement, pour acheminer aux usines de, de transformation le pétrole, euh, le pétrole, finalement, des quantités de pétrole. Et euh, on voit très bien un peu ici comment que ça doit euh, fonctionner. Alors, on a un plateau dans les a dans le sur lequel on construit notre réseau. Et on a des plateaux joueurs sur lesquels, bien sûr, il y a l'accumulation de, euh, de, 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 du pétrole brut, là, finalement, qu'on doit euh, raffiner. Alors, essentiellement, c'est un jeu de, 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 très, très, très axé sur l'économie, un jeu de stratégie économique, devrais-je dire. Et euh, c'est un jeu qui... À mon sens, pourrait, euh, pourrait euh, intéresser euh, plusieurs joueurs, plusieurs gamers là, de ce, de, de, qui, qui aiment ce type de jeu un peu plus hardcore, je vais dire. Alors ici, c'est de 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, donc euh, si vous êtes deux, c'est 60 minutes, mais moi je rajoute toujours une moitié de plus, donc une petite demi-heure de plus, surtout lorsqu'on n'est pas habitué au jeu, et qu'on a tendance peut-être à faire des erreurs au fur et à mesure. Donc un petit jeu ici euh, que ben un petit jeu, un jeu quand même euh, qui est quand même assez lourd là, c'est une boîte quand même assez lourde. Ça donne un peu le style euh, du jeu en tant que tel. Donc on voit une grande raffinerie. Alors sans plus tarder, on va enlever la le plastique et on va regarder rapidement qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors voilà, on a la boîte de Pipeline ici de Capstone Games, donc on va ouvrir ça tranquillement. Alors, on a une boîte quand même assez robuste, je dois dire, euh, qui est dans le même type de carton, mais je dois dire qu'elle est beaucoup plus solide en tant que telle. Et on voit l'image sur le dessus, là, comme je disais tout à l'heure, qui est très, très, très révélatrice du jeu euh, auquel on s'apprête on, on à déballer et bien sûr à jouer. Alors, ici, on a un livre des règles. Livre des règles. Alors, ici, on a le contenu. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? La mise en place. Alors, les actions, les phases. Alors, ici, on a beaucoup, beaucoup d'exemples hein, sur les côtés. Alors, ça, ça peut peut-être aider justement à bien comprendre le jeu. Alors. Il n'y a pas beaucoup de pages de règles, hein, donc c'est peut-être pas un jeu nécessairement très difficile à apprendre. Je n'ai jamais joué. Euh, je, vais, je vais essayer. Hein, je vais, je vais l'essayer, ça, c'est sûr et certain. Quand je vais avoir quelqu'un pour le faire avec moi, sinon, je vais le faire en, euh, en, en inventant un, un, un alter ego, hein, Alors, comme Martin avait déjà fait. Donc, essentiellement, 12 pages de règles. C'est pas beaucoup, donc. En espérant que c'est clair et qu'on va pouvoir bien comprendre. Alors, ici, on a finalement euh, le plateau, euh, les plateaux des joueurs. Alors, ici, on en a un vert. Alors, on a dessus toutes les phases. Qu'est-ce qu'on doit faire dans les phases? Ça, c'est très, très, très bien. Euh, quelques petites informations qui vont avec. Donc, exactement comment il fonctionne, on ne sait pas. Il y en a quatre pour aller jouer jusqu'à quatre joueurs. On a un gros paquet de jetons. Alors, ces jetons-là, on va tout simplement enlever la pellicule de plastique. Ah! Ah ben, tiens donc! Il n'y avait plus de plastique dessus. Eh, hey, c'est pas merveilleux. Donc, on a des, bien sûr, les pipelines qu'on va placer sur le plateau principal. Alors, dans les couleurs des joueurs, je suppose, ou peut-être pas. Ça a peut-être d'autres significations. Alors, on a combien? Un, deux, 3, 4, alors cinq plateaux comme ça. Alors, c'est un petit fini euh, tissé. Donc, euh, c'est quand même une bonne qualité. Euh, c'est quand même très, très, très solide. Là. Alors, euh, ça, on ne devrait pas avoir trop trop de problèmes. Alors, ici, des upgrades, Stanks, Machine Pipe. Je ne sais pas exactement à quoi ça va servir. Alors, on a ici d'autres jetons encore. Alors, on en a quand même beaucoup. Alors, ici, on a euh, la valeur, peut-être, de, 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 du pétrole. Enfin. Donc, on en a quelques-uns comme ça. On a bien sûr de l'argent. Alors, on a des unes, des cinq. Alors, on a plusieurs petits jetons. Alors, ici, c'est des cisternes de pétrole ou d'essence, je ne sais pas. Alors, valuation. Donc, oh, beaucoup, 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 beaucoup d'argent ici, tout en petits jetons. Excellent, c'est bien. Donc, on a quand même, je dirais, à peu près une bonne dizaine de, 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 de plaquettes de jetons. Alors, il y en a quand même pas quand même beaucoup. Alors, on a le plateau de jeu qui est en fin illustré, lustré. Quand même très, très, très grand. Alors, on va tout simplement y aller en l'ouvrant. Voilà! Hein, ouvert, n'est-ce pas merveilleux, les, la magie du montage. Donc, euh, on s'entend que ce n'est pas nécessairement le plateau le plus beau qui qu existe sur la planète. Mais ça doit faire la, 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 la job qu'on lui demande quand même. Alors, on a reproduit dans le haut, là, on ne le voit pas très bien ici. Là. On a reproduit dans le haut euh, l'image de la boîte. Euh, voilà, donc on a le crude market, les refined market. Là, je ne sais pas exactement ça, comment ça fonctionne. On a plusieurs éléments qui peuvent changer sur le plateau. Alors, c'est quand même bien. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de stock ici. Alors, des petits cubes en bois qui semblent être des couleurs des joueurs. Si je me trompe-tu? Oui, je me trompe. Donc, ça n'a pas rapport. Donc, des cubes de couleurs qui ont chacune leur signification. Alors, il y en a quand même une bonne trôlée. Bien sûr, on nous donne des sacs pour séparer tous les magnifiques et nombreux jetons qu'on a. Est-ce qu'il y a des choses en dessous de ça? Non, il n'y a pas rien. On a ensuite... Des petites cartes. Alors, avec le finitissé quand même assez épaisse, de bonne qualité. Pas de format, on pourrait dire, euh, de format habituel, mais quand même. Alors, on a les machines Human Resources, le gouvernement, Engineering. Oh, ça a l'air quand même assez complet, on doit le dire. La thématique doit être présente. Pas beaucoup, beaucoup d'images, hein, on s'entend, là, c'est très, très, euh, euh, très euh, brut hein, pour ne pas faire un jeu de mots. Donc, on a le compteur de tour, les meeples pour euh, représenter, bien sûr, chacune des compagnies ou chacun des joueurs. On a ici des cartes de format, on pourrait dire, plus standard, qui sont les valuations. Donc, je ne sais pas, ce n'est pas Evaluation, c'est valuation. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi. Donc on a une série de cartes valuation ici et ça se termine à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Pipeline de Capstone Games? Donc, c'est un jeu qui semble être très thématique, qui nous semble quand même de bonne qualité. Euh, le seul hic, le gros gros hic que j'y vois présentement, c'est le fait qu'il y a pas beaucoup d'images. À part l'image ici de base qu'on retrouve aussi sur le plateau de jeu, il euh, n'y a pas d'image autre qui... Euh, qui attire les regards. Donc, si vous êtes une personne qui aime les jeux très colorés, qui aime les jeux très représentatifs avec des images, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images, c'est sûr que vous ne serez pas servi avec Pipeline. On s'entend. Donc, mon évaluation très, très, très rapide. Alors, pour la boîte, moi, je vais y donner un, euh, un euh, je dirais, un un c hein, un c parce que euh, ça le dessus de la boîte là bien que ça représente qu'est-ce que ça concerne ça fait trop sérieux ça fait pas game ça fait pas partie ça fait pas jeu en tant que tel et malheureusement ça c'est un petit down pour moi il euh, y a pas de d'insert à l'intérieur pour les nombreux jetons, etc. Donc, ça, c'est un no down pour moi. Euh, donc, je vais dire c'est pour la boîte. En ce qui concerne le matériel, le matériel, il y a quand même une très 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 bonne quantité. Euh, là, je ne pourrais pas vous dire combien ce jeu-là se vend. Je n'ai pas de prix. Il faudrait vérifier. Alors, euh, il faudrait peut-être vérifier, mais néanmoins, il y a quand même beaucoup, beaucoup de matériel, quand même du matériel de bonne qualité, dois-je dire là. Donc, euh, je serais parti à donner un B. Donc, un C pour la boîte, un B pour le matériel. Et en ce qui concerne l'attractivité euh, de Pipeline, je dirais un B. Euh, le thème m'enchante. J'ai été, euh, j'ai essayé barrage. Barrage de euh, crâneau est un excellent jeu dans le même type de, de thématique, mais là, de barrage. Ici, on a la construction d'un réseau de pipeline de raffinage de pétrole. C'est très moderne. Ça m'attire. Le seul, la seule chose qui fait en sorte que ça ne sera pas un B ou un A, c'est le fait que, mon dieu, que le matériel y est drabe. Hein? Alors euh, voilà, je l'ai dit. Vous pouvez être d'accord avec moi, vous pouvez ne pas être d'accord. Enfin, c'est pas grave. Alors, pour faire un petit récapitulatif, donc c'est pour la boîte, B pour le matériel et B pour l'attractivité. Alors voilà. J'espère que vous avez euh, vous avez apprécié ce petit déballage euh, de ma part. Euh, bien sûr, allez sur notre page Facebook ainsi que notre Instagram pour vous tenir au courant des nouveautés et des choses qui s'en viennent sur la zone jeu de société. N'oubliez pas non plus d'aller voir notre page Patreon si vous avez le goût de nous aider, de nous donner un petit coup de pouce pour, euh, bien sûr, améliorer votre chaîne favorite allez sur le site de notre commanditaire le www.levalet.com ou allez à magasin bien sûr avec un petit couvre-visage en ces temps de 2020 euh, super magasin vous allez vraiment aimer votre expérience là-bas j'ai vraiment hâte de retourner d'ailleurs et bien sûr ben jouez avec amusez-vous plutôt avec vos jeux de société et on se revoit très bientôt bye bye demain.